Alors, vous pouvez aussi travailler les renversements en arpège. Comme ça vous fait travailler aussi les deux mains. Et ça, c'est très bien. Et ça vous fait travailler l'ensemble du clavier. Maintenant, premier renversement. Deuxième renversement. Hein? Quand vous exercez, vous allez à cette vitesse. Après, la vitesse viendra. Ça, vous pouvez le faire, apprendre à jouer, à faire les renversements en arpège. Aussi ceux qui font avec les fioritures. Ah, j'ai passé le clavier. Voilà, ça c'est une méthode aussi pour apprendre. Au début, planter les clous, comme je dis. Après, vous essayez.